turn to sorrow. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un try and haul spécialement dédié à la marque Boohoo. C'est la marque qui m'a directement envoyé le colis pour que je puisse les tester et vous en parler. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément un partenariat. Mais vous savez très bien que mon avis restera toujours le même. Donc bref, ça ne change rien. Ça me permet juste de vous présenter des produits qui sont cool, si jamais je les trouve cool, et d'avoir des petits bons. Voilà, donc tout le monde est gagnant. Je vous montre tout ça. Un gros colis que j'ai là. J'ai testé que deux ou trois choses, je crois, ce que j'ai reçu hier. Donc je vous laisse avec la suite. Let's go. Premièrement, on a ce pantalon qui est vraiment trop beau. Style jogging, un petit peu taille haute, un petit peu beaucoup. Avec une bande verte sur le côté qui descend tout au long de la jambe. Il est confortable, bien taillé et voilà. Mon chignon, il fait un peu n'importe quoi. Ça fait 30 minutes que j'essaie de le... Donc bon bref, on va faire abstraction. Je vais vous présenter une robe. Ce sera la première fois que je la porte sur la vidéo. Elle est trop canon, donc c'est une robe pull. Les épaules sont dénudées et il y a comme des petits froufrous en fait sur les manches et donc sur le col. Et aussi sur le bas de la robe, donc vraiment trop belle. Elle existait aussi en moutarde, j'avais hésité à la prendre, et en noir. Franchement, gros coup de cœur, elle est trop canon. Elle m'a l'air plutôt chaude, j'ai hâte de la porter. Voilà. Ensuite on a un petit haut qui se présente comme ceci, qui est vraiment trop joli, encore une fois avec les épaules dénudées, motif prince de Galles on va dire. Donc là on a une matière un petit peu plus stretch et qui est très confortable, avec des manches longues, vous voyez, des volants en fait. Il est assez crop, tu mets ça avec un petit pantalon taille haute, simili cuir ou bref, c'est canon. Ensuite on a un gros pull avec un gros col que je trouve super joli, de couleur un petit peu taupe. Il existait d'autres couleurs hein, comme d'hab, la plupart des articles. Il a une coupe assez loose, assez large, et au niveau des manches, vachement évasé. Donc ça je kiffe aussi. Et je me suis dit que pareil avec un jean taille haute, tu peux rentrer juste le devant du pull et ça fait vraiment bien l'affaire. Il a l'air super chaud. Donc là on part sur une jupe imitation cuir, donc vachement brillante et ça je kiffe. Elle existait en noir et pareil j'ai hésité à la prendre en noir, mais je me suis dit il faut de la couleur un petit peu. J'aime beaucoup cette jupe parce que déjà elle est taille haute. J'aime beaucoup les empiècements ici. Enfin vous voyez comme elle est coupée. Et ce que j'aime beaucoup aussi, la petite ficelle qu'il y a ici en fait, qui resserre bien la taille. C'est super jolie et elle marque bien la taille, donc ça on adore. Ensuite on a un petit body. Moi je trouve ça super beau les body. Après certes c'est pas trop de saison, mais c'est pas grave hein. Il est vachement joli, j'aime bien la dentelle en fait, comme elle est travaillée au niveau du col. Et au niveau du dos, c'est ouvert en fait sur le dos. Tu mets ça pareil quand tu vas en soirée avec un jean taille haute. Moi je kiffe les jeans taille haute, je pense que vous l'aurez compris. Ça fait très bien l'affaire et ça fait son effet. Ensuite on part sur, je vais arrêter de dire ensuite, je sais que c'est très chiant. Tout ce que je vous montre c'est vraiment les nouveautés. Là je vous montre deux articles de la catégorie fitness tout simplement. Je me suis dit que j'allais tester ça vu que vous savez que je kiffe de sport et que je suis censée reprendre la muscu. Là on a un petit pull quadrillé en fait sur les côtés, vraiment trop joli. C'est la petite touche qui fait toute la différence. Il est un peu crop mais pas trop, faut pas abuser hein, parce qu'on est là pour faire du sport, pas pour montrer son nombril. Non franchement il est super canon, super confortable, enfin on adore. Et donc de la même catégorie fitness, j'ai pris un legging simple, on va rester dans le basique, noir comme ceci, resserré à la taille, donc taille haute, stretch, donc ça on aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les basiques, en tout cas pour faire du sport c'est top. Donc voilà. Et il y a plein de leggings, d'autres hauts pour faire du sport, des brassières, des vestes, enfin bref, la totale. Des choses même colorées, donc bref, on adore, je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a ce jean. Pourquoi je crie? Je ne sais pas. Luminosité, s'il vous plaît. On a ce pantalon taille haute. Lui, je l'ai porté hier et sincèrement, je l'adore. Vous allez voir pourquoi. C'est une coupe mom, assez simple sur le haut. Et donc, quand on descend, comme vous pouvez le voir, il est coupé d'une manière assez originale. Moi, j'adore. Ça fait vraiment toute la différence. Tu mets ça avec des petites baskets, ça ressort trop bien. En plus de ça, il est très confortable. Il y a du stretch, donc on est content, on adore et on va l'essayer. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier article, cette vidéo est passée beaucoup trop vite. On a cette petite jupe, donc derrière c'est noir. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Bah déjà pour les broderies qui sont super canons. De deux, les perles, je sais pas si vous voyez, il y a des petites perles sur le devant. Et elle est taille haute, donc encore une fois ça marque bien la taille et elle est pas trop courte. Je vous l'ai pas dit, mais tous les articles je les ai pris en 34 la plupart du temps. Moi c'est ma taille habituelle. On a cette grosse veste qui est trop belle, donc en moumoute, bien évidemment ce n'est pas de la vraie fourrure. En mode perfecto. Vachement oversize, donc pour celle-ci vous pouvez très bien partir sur la plus petite taille, elle vous ira, elle tient chaud, donc ça c'est cool. Ah non, mais j'ai un dernier article à vous montrer, comment j'ai pu l'oublier lui. Alors là il s'agit d'un petit top, là vous allez me dire que c'est pas de saison, mais c'est pas grave, on s'en fiche, il est beau. Un petit bandeau en fait, un petit crop top, vraiment crop top pour le coup, noir, avec des petites ouvertures sur le devant, mais
vous inquiétez pas, ça ne s'ouvre pas. Il est vraiment trop joli, je pense le porter soit en soirée, soit quand il fera plus chaud tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est des articles, mais restez jusqu'à la fin puisqu'il y a un code promo pour vous, c'est pas négligeable. Et la petite surprise, c'est sur mon compte Instagram, donc je vous laisse aller voir, je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puisqu'il y a un bon d'achat Boohoo à gagner, ça pareil, allez voir, faites-vous plaisir. Voilà. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous pensez des articles, mais moi, pour ma part, je les trouve de 1 très bien taillés. Je dis pas du tout ça parce que c'est un partenariat entre nous, je pense que vous le savez maintenant. Voilà, c'est pas la première fois que je teste leur article. Là, du coup, ça m'a permis de tester les produits d'hiver et franchement, top. Et au niveau des coupes, des modèles, on a vraiment des choses originales. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez si mon chignon est vraiment minable. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. C'est déjà pas fait. Parce que je vous assure que des fois ça sert quand je sors des nouvelles vidéos. J'ai entendu dire que vous vous étiez informé. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, 17h, vendredi surtout, pour une nouvelle vidéo. Ciao.